chaud et tout, mais là, le public d'entrée de jeu il est parti. Et... On a vu la foule arriver en même temps qu'on se voit, c'était super. D'entendre des gens hurler, se mettre à chanter White Stripes alors qu'on venait de commencer quoi. Ça c'est. D'un coup tu te dis waouh! Ah ouais, ils viennent pas juste divertir, ils viennent donner autant qu'ils viennent prendre quoi. Et inversement. Donc ça fait vraiment chaud au cœur quoi. Ça donne encore plus de courage et plus d'envie de bouffer la terre entière. Heureusement, j'ai l'impression de faire un peu le premier album. C'est un truc dans lequel on a mis beaucoup de nos tripes et surtout sur lequel on a beaucoup appris en allant à la rencontre de gens extérieurs. On est toujours dans une démarche d'apprentissage et là, ça explique les collaborations qu'on a eues avec Mickey 3D, avec Erwan, le chanteur de Java, avec Jérémy Dirat qui est un auteur, compositeur, arrangeur. Des gens qui nous ont donné des ficelles, avec qui on a co-écrit des chansons. Donc voilà, c'est une évolution, c'est la photo 2009. Et à la rencontre des autres et à la rencontre de nous-mêmes. Un jour, on m'a dit une phrase qui m'a marqué, c'est l'énergie qui vient du cœur s'appelle l'amour. Et c'est vraiment tout ce qu'on donne et tout ce qu'on recherche. La scène, c'est notre terrain de jeu depuis 14 ans, depuis même bien avant Babylon Circus. Donc il y a une réelle addiction à la scène. C'est vital pour nous de jouer, donc on va pas se plaindre. C'est sûr. Bah, en tout cas, bonne continuation au festival. Ouais. Super accueil. Super orga. Ça fait bouger la région. Ça fait des belles affiches, alors bonne continuation au Papillon de Nuit.